La majorité est très fière de pouvoir porter ce texte. C'est un texte sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. Il y aura une liberté de vote absolue pour les députés de Renaissance, évidemment. C'est donc une loi bioéthique. Pour, contre ou s'abstenir? Bien sûr, et tout au long du parcours parlementaire, puisqu'il va durer plusieurs mois, évidemment, passer à l'Assemblée, au Sénat, revenir, l'ensemble des députés pourront avoir la position qu'ils souhaitent, article par article. Nous voulons accompagner cette loi, c'est de l'intime, ce sont des histoires humaines que nous avons pu vivre, ou nous-mêmes, ou les autres. Moi-même, j'ai évolué au cours de l'ensemble des auditions. Et donc, vous savez déjà quel sera votre vote ? Oui, bien sûr que je vais travailler d'abord, écouter, entendre. Je pense qu'il y aura une qualité de... Je crois d'échanges de l'ensemble des députés. Mais vous n'êtes pas sûr de voter pour aujourd'hui ? Bien sûr que si. Moi, je souhaite évidemment qu'on accompagne sur l'ensemble des trois sujets, les aidants, l'accompagnement évidemment des soins et puis l'aide à mourir. Pour moi, c'est une vraie avancée que nous devons voter.